Yo tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo en PVP avec une team Ultrush les amis, team Ultrush. D'ailleurs normalement ici, d'ailleurs attends j'ai pas mis les links. Excusez-moi les amis, les links ici tu mets Tarmiel, notre ami Tarmiel il est où, Tarmiel rouge. Voilà, donc team Ultrush, vraiment en ce moment les amis, les team Ultrush, j'en ai marre. Vraiment c'est le truc le plus cancer de jeu hein. En fait, t'as deux types de teams actuellement dans cette DS, donc les teams Ultrush, où tu commences en deuxième, tu peux win tranquille. Et après, t'as aussi les teams, en gros, CP, entre guillemets, où tu commences en premier, t'as de fortes chances de gagner. Tu peux perdre, bien évidemment, contre les teams Ultrush, tout dépend de la team CP que tu joues. Mais par exemple, en top 100, les teams Ultrush, les amis, c'est une aberration. Vraiment, c'est une aberration. On est classé combien dans le top 100? On est 77 actuellement. Il reste 2 jours. Je sais pas si je serai top 100 cette semaine, honnêtement, les gars. Je sais pas comment ça se passe sur la JP. J'ai fait 31 lose, je le rappelle. J'ai fait une vidéo, mon avis, sur le top 100. On a beaucoup perdu contre bah, des brines aussi en défense. Vraiment, ça m'a surpris. Et aussi, on a perdu contre certains mecs team Ultrush. Dans cette vidéo, je vais utiliser un item bouffe ult. Normalement, en top 100. Bah, normalement. En top 100, t'as pas de bouffe, donc bon. Voilà, j'ai envie de la jouer avec de la bouffe tranquillamente. On va mettre le dossier ici, en vrai les gars, on s'en fout. Normalement, comme j'ai dit, tu peux, enfin je crois que je l'ai pas dit au début de la vidéo, j'allais le dire, mais voilà, je me suis coupé, hein, MDR Iron. Mais normalement, tu mets Margaret en link. Pourquoi? Parce qu'en fait, parfois, tu fights des mecs qui ont des boosts. Donc forcément, ça augmente l'attaque. Quand le mec, en gros, si t'attaques un mec avec, je sais pas, je crois que c'est 5% d'attaque par buff sur l'ennemi attaqué de mémoire, ou peut-être 10%, mais je crois que c'est plus 5%, parce que 10% c'est énorme, bah t'auras un bonus d'attaque conséquent. Donc là regarde, on fight une team démon. Bon les gars, je vois en même temps, excusez-moi. Et là, bon, en vrai, non, généralement les teams démons, bon normalement t'as deux jauges. Mais les teams démons, en vrai, tu te mets bien. Tu te mets bien, généralement. En plus, on a le Tarmiel Link. Vraiment, les gars, le Tarmiel Link. Mais c'est une aberration dans le jeu. Mais c'est incroyable. Vraiment, j'en ai vu des Links dans ma vie. Mais celui-là, gros, c'est n'importe quoi. Hein. Vraiment, tu mets Twigo, Tarmiel Link, plus ce set de cartes R. Regarde, t'as 540 000 PV sur le bougre. Certes, il a pas de raise, c'est une réalité, mais ça suffit en fait. Surtout que sa relique, elle provoque, elle augmente les stats liées au PV, donc forcément, tu auras plus de taux de régène. Qui dit plus de taux de régène, dit plus de régène venant le Tarmiel Link, venant pardon du Tarmiel Link. C'est n'importe quoi. Et là, l'astuce, c'est qu'en fait, tu utilises tes cartes de Chandeleur, parce que ça met des malus. D'où le Sariel Vert Link. Donc là, on va avec un bot. Let's go. Donc là, regarde, à chaque fois qu'il tape, ça met des malus. Et l'aspect, faut pas oublier, donc l'aspect des Stalosa, c'est pour chaque malus, chaque bonus et posture, ça augmente les dégâts. Donc là, j'ai SP5 de 30%. Donc là, je vais faire ça. Et volontairement, je vais pas mettre cette carte en vrai, les gars. Et vous allez voir les dégâts. Donc là, je fais l'aspect juste avant pour mettre un malus sur tout le monde. Ça fait 4 sur tout le monde. Enfin, 3 sur Chandeleur, du coup. Vu qu'il y avait Cleanse. Bam. Et voilà, son crit, tu one shot. Hein. Voilà. Voilà la team. Vraiment, la team est débile. Hein. Je vous dis, les amis, cette team est 2 IQ. Vraiment, il y a 2. Il faut avoir 2 IQ pour jouer ça. Et c'est, en fait, c'est le problème du PVP et c'est le problème du top 100. Tu vois, c'est lié. C'est qu'en fait, il n'y a plus aucun skill. Ouais, ça avantage aussi les mecs qui payent pas assez. Mais c'est débile, en fait. C'est un PVP qui a aucun sens. Vraiment, c'est un PVP. Mais vide, vraiment, c'est vide, les amis. Hein. Bon, vraiment, les amis, je suis pas fan de ce PVP. Hein. Dites-moi en commentaire. Vous allez voir, les gars, Twigo, il tape énormément. Regardez la single target de Twigo avec le set de cartes R. C'est marrant. Hein. Konsika. Full counter. Merde.
Ok, bon. Bah les gars, vraiment, en fait, le match est tellement débile que j'ai même pas envie de commenter, frérot. J'ai même pas envie de commenter. C'est chiant. En fait, c'est auto-win, hein. Vraiment, les gars, je vous jure, c'est auto-win, hein. Vous savez quoi, on va... Enfin, auto-win. Après, ça dépend si t'as vraiment pas de luck. Tu vois, il y a des moments, t'as pas trop de chance, et ça arrive, hein. Après, à un moment donné, faut être réaliste aussi. On va enlever la bouffe ult. Comme si on jouait à top 100, donc on va jouer... bah ça, j'en ai qu'une, donc... La bouffe des coins. Et vous allez voir... À quel point c'est nimp, hein. Dites-vous que des fois, ça m'arrive de même pas stuff la Merlin, parce qu'en fait, hein, si tu perds tes persos, Merlin arrive sur le terrain, enfin... Après, ça dépend y'a qui, tu vois. Si, en vrai, si tu perds ton Instar Rosa, c'est perdu, généralement. En vrai, Twigo, les gars, c'est tellement fort. Hein. Genre, vraiment, Twigo, on s'en rend pas compte. Hein. Mais c'est tellement fort, hein. Genre Twigo c'est l'un des persos qui me choque le plus à chaque fois, hein. Vraiment, plus je joue, plus je me dis, ah c'est quand même broken, hein. Vraiment c'est trop leak. Pourquoi en fait, genre vraiment why? Pourquoi on a une relique aussi puissante? Bon là on fight un bot, hein. Là, par exemple là, le Reinhardt, il aurait commencé en deuxième, il y aurait une fusion, il y aurait win, hein, tout simplement les gars. Enfin bref. Donc là, on va commencer à mettre des malus. Tac, tac. Dragon Claw. Oula, non. Ah. C'est aussi les Reinhardt, les gars. Faut arrêter. Ah, vraiment, les Reinhardt. Avec leur luck légendaire, là, c'est grave. Hein. Anti-malus, là. Hmm. En pencheur, quand même. Hein. Volcanda. Pour la régène de Chamber. C'est bloqué, non? Bon, normalement, le mec te tape pas, là, on fight un bot. Hein. Bon, bref. Si vous allez voir, même le notre ami Reinhardt avec deux malus, hein, et sans, du coup, les malus venant de l'aspect, bah, il va décaler sur Namek, en fait. Genre, le perso est trop fort, en fait. Chandler, Estarosa, quand tu l'aspect 5 minimum, c'est débile. Dites-vous qu'il est en HP def, là. Hein. Il est HP def, le perso, hein. Il est pas attaque DCC, je sais pas quoi. Hein. Genre, vraiment, il est HP def, genre, ouais. Oui. Une level 3. Ah, ça quel plaisir. Hein. Pas de dégâts. En vrai, ban. Jure les gars, ban c'est claqué maintenant. Genre vraiment ban. T'as mis ça à vert. Ah non, je creux. Le skin de Captain Mildas, il me fume aussi. Hein. Let's go. J'aurais pu ultra rush mon Estarosa, mais bon. En fait, je vais tester les dégâts aussi de Twigod avec le set de cartes R. Là, on n'est pas au top 100, donc les gars, j'optimise pas. Hein. Vraiment, je me fous un peu. Sauf bien évidemment, j'aurais opti. Est-ce que Ban me one-shot? S'il me crit, oui. S'il me crit pas, non. Et vu que je nerf aussi avec Chandler, donc on... Ouais, je sais pas. Oh, les dégâts de merde. Mais Ban, mais tu pues la merde. Wey, c'est quoi ça, frérot? Le perso, il est spécis. Ah, vraiment, ban, les gars, moi, c'est un perso, vraiment, je suis tellement déçu. Après, tant mieux qu'il soit de moins en moins fort, hein. Encore heureux, hein, parce que, bon, pendant une période, t'es un peu trop fort. Hein. Maintenant, en fait, le ramener, j'ai l'impression que c'est... Tu te mets une balle dans le liep, hein, vraiment. Hein. Tu vois vraiment les team ultrush, mais c'est tellement débile dans ce jeu, c'est tellement débile. Pourtant en vrai les seuls teams où tu peux perdre, c'est les teams Brin, hein, vraiment, parce que Jan, Rolik, etc. c'est trop fort. Hein. Mais au top 100 généralement, tu fight que des bots Brin quand il n'y a personne en fait. Donc c'est pour ça qu'en fait quand tu joues une team ultrush, je vous conseille de jouer quand il y a énormément de joueurs. Parce que fight des bots... Hein, C'est pas le bon délire, un bon délire, pardon. Genre vraiment. Bon, là, fight une. Comment elle s'appelle elle? Une Malin Summer, c'est très chiant. Ok. Bon, cher, hein. Elle met quoi là-haut?
Ah non, bon, c'est un bot. Hein. Malheureusement, c'est un bot. Hein. Ok, lui, il est bloqué. Dragon Claw. Ou le nouille. Oh frérot, là par contre, avec tes cartes, faut doser. Hein. Oh là 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 là. Mimir. Hein. Oh les dégâts. Oh frérot, faut doser, hein, vraiment. Hein. Ah, je dis, faut doser, mec. Hein. T'es un peu trop broken à mon goût. Hein. En fait, là, il y a plusieurs problèmes. T'as Melnik ici. Ouais, bon. Faut jouer comme ça, malheureusement. J'aime pas si après. Ouais, après, il va nous tuer, lui, hein, c'est sûr. Hein. Là, il y a Echidna. Echidna, bon. Après, ça, en vrai, les gars, là, on fight une team que tu vois presque pas en PvP. Hein. Genre, soyons honnêtes. Ce genre de team, ça existe plus trop. Hein. Merde. Bon, on est mort, les amis. Unlucky. Unlucky. Aïe, 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 aïe. Moi je joue comme ça en vrai, Balek. On va tester Chandler comme ça. Voilà, vraiment les gars, on a perdu parce que bon, on fight Limul, hein, Limul broken. Hein. On va dire c'est le seul counter de la team Limul. C'est pour ça qu'après il y a une autre team que je vais pas présenter pour le moment. Enfin, j'en ai parlé dans la vidéo mon avis top 100. Est-ce que je meurs en vrai? Normalement, ouais, je meurs, je me prends un crit, je décale. Hein. Ouais, même sans crit. La team est trop forte en fait. Et Echidna a trop de. Rajoute trop de stats à la team. C'est trop fort, c'est trop fort. Mais ça, c'est une team que tu vois jamais au top 100. En fait, la team que je joue, c'est plus une team top 100 qu'une team PVP classique en soi. Tu sais, les Limules, etc. Ouais, t'en vois, mais c'est pas spécialement dans une team inconnue. Genre, les teams inconnues, c'est fort, mais t'as capté, genre. Ah, lui, il joue à peu près la même team que moi. Je dis bien à peu près. Hein. T'as Twigo qui provoque, du coup ça nous met trop bien. Ah là là, c'est tellement fort, c'est tellement aberrant. En fait Twigo, sa relique, je sais pas pourquoi ils ont fait une relique aussi forte en fait. Genre vraiment pour moi je trouve ça aucun sens de faire une relique aussi puissante genre. Donc là bon on va pas être débile. Voilà hop on va se cleanse. On va mettre des malus. Bam. Et on va one shot hein, GG à vous. Hein. Ah on a pas one shot. Tu vois là je l'avais spécie j'aurais tué. Dommage. En fait, cette team est forte, les amis, mais il faut avoir un Insta spécis. Genre, vraiment, spécis, c'est le jour et la nuit, hein, je vous dis. C'est même aberrant, la différence. Hein. Full Kanta. En vrai, oui, la spécis, il one-shot, non? Bon, voilà, regardez, les gars, la différence entre un spécis et un SP5, hein, genre, c'est terrible. Hein. Ah, c'est débile, le jeu, hein. Vraiment, les gars, je vous dis, c'est vraiment débile, hein. Spécis c'est ça, 40%, moi c'est 30%, et lui ça réduit de 30% HP, etc. Donc voilà, tu vois, le défaut de la team c'est qu'elle est forte, hein, mais bon, team ultra rush, ça veut dire que t'as besoin de SP, hein, forcément, les amis, c'est logique. Donc lui, il fait plus de dégâts pour chaque malus bonus, et en plus, il me réduit plus les PV, donc bon, il fait plus de dégâts, enfin bref. C'est beaucoup trop fort, hein. Parce que moi, ouais, c'est combien? Ça réduit de 20%, je crois, SP5. Ah, c'est 20%. En vrai, entre le SP5...
Et le Spé 6, c'est un autre jeu, hein, vraiment. Alors qu'il y a une Spé qui sépare les... Qui sépare, en fait, j'allais dire les deux persos, mais juste l'aspect quoi, hein, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, frérot. Pourquoi autant d'écart, en fait? Là, littéralement, moi, j'ai pas one shot parce que j'ai SP5. Vous avez vu, les gars, j'ai mis un pixel, hein, genre... SP6 a tué, hein, étrangement. Tiens, on tuait, quoi. Enfin, c'est grave, le jeu, hein. Quand tu vois ça, tu te dis, ah! C'est amusant, le jeu, hein, quand même. C'est death, c'est cool, hein. Bombi. Donc, lui, je sais pas si c'est le vrai Bombi. Parce que lui, je l'ai beaucoup fight pendant le top 100. Bombi, je sais pas quoi, là. Ouais, c'est son pote, hein. Après, le gameplay du jeu, c'est incroyable. Oh, je move. Frérot, c'est quoi ça encore? Ah, c'est grave le jeu, hein. Vraiment, le gameplay, il est passionnant quand même. Hein. Un gameplay, t'as peur, hein. Vraiment. Hein. Ah, le gameplay, moi, j'aime bien. Un gameplay, je kiffe. Hein. C'est mon champ que je vais aller dormir après, je vous jure, les gars. Hein. Vraiment. Il y a zéro van. Hein. Il va me mettre cher, là, le Reinhardt. En vrai, Reinhardt, c'est tellement fort. Hein. Ça fait tellement de dégâts. Faire attention. En vrai, avec le boost de 25%, je trouve ça pas non plus dingue. Hein. Il décale. Bah bon. Chandler, les amis. Hein. Bref, Chandler. Hein. Broken. Merde, on l'a pas tué. Ah, mais ça, c'est encore le spécif. Hein. Oh là là. Oh, c'est chiant. Mec, je suis pas spécif, gros. Je mets à des pixels, mais c'est grave. Hein. Juste pour une spé, ton perso, il pue la mort, genre. Vraiment. Ah, ça me fait chier, genre. Vraiment. Putain. Ah, c'est grave, hein. Juste pour une spé, les amis. Mais juste pour une spé, hein. Ouah, ça me fait... Ouah, bref. On va arrêter de rager. On va arrêter de rager, les amis. Excusez-moi. Ouah, bon, bref. C'est le jeu, hein. Genre, écoutez, les amis, c'est le jeu. Hein. Faut faire avec, hein. Ah, j'ai tué, ok. Donc là, de toute façon, évitement. Tac. Il va se taper l'immortalité. Un anti-malus, du coup, c'est chiant pour moi, en fait, encore une fois. T'as vu, Reinhardt, quand il n'y a plus personne, c'est claqué quand même. Hein. Hâte de voir l'immortalité, les amis. Hein. L'immortalité arrive, donc là, je mets des ténèbres. Oh, j'aurais pu le tuer avec l'aspect en fait, hein. Ouais. Oh, même Chandler, il fait mal. C'est genre, il est chaud, Chandler. Ok, y a pas d'immortalité. Ça va. Elle est morte, Merlin, non? T'en vois, Reinhardt solo, c'est tellement bancal quand il y a plein de malus, etc. Fais voir, du coup, les stats de notre ami Esta. Juste avec le passif, donc là, 25%. Ouais, c'est vrai, c'est trop fort, Esta. Hein. Vraiment, les gars... Moi, je l'ai SP5, vous voyez que ça joue à des pixels, mais vous l'avez SP6, vraiment, jouer cette Team Ultrush, hein. Elle est débile, en fait, elle est débile. Tu l'as SP6, c'est ça, bah, c'est auto-win, hein. Genre, vraiment, juste pour une SP, c'est grave, hein, vraiment, on dirait ban, hein. Ok, merci d'avoir regardé, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, faites au courant des nouvelles vidéos. Des bisous, ciao!